darling, Ben. Bye, me. Qui ça? Qui ça, Dada? Dada, écoute. Dada, écoute là-bas. Dis bonjour, bonsoir. C'est qui toi? Tu t'appelles comment? Dada? Oui, Dada. Dada Aurélie. Sérieux, de Nirvana, ça va être. My girl, my girl, don't lie to me. Ouais, tu sais. This I woke up in the confusion. Oh, I was a prisoner too. The nice faces standing over me. They were all dressed of uniform, a blue tie. Many rivers do we have to cross before we can to the boss? Allez, Non, Dani, comment se passe la soirée pour toi? Tu es content? T'inquiète. Tu es joyeux? Je suis pas comme certains, moi. Tu es... Regarde-moi. Tu es... La Nyoxa, tu es où, ça va? La 4-4 direct, mon gars. Christian. Ouais. Alors, à ce temps-ci, la Nyoxa, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça va, t'as vu, on est là, on passe une bonne soirée. C'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu, ma tête est tournée, t'as vu. Mais j'ai remangé, c'est cool. Bah, tant mieux, c'est la fête au village, donc. Là, on est content d'être là. C'est l'anniversaire à Caroline, t'as vu. Caroline qui est la demoiselle qui est juste là. Voilà, on vient ici. Fais-moi un gros plan. Attends, alors un gros plan, bouge pas. Fais-moi un gros plan. Et je suis avec mon pote Daniel. Il est là. Daniel, il m'a. Oh, c'est cool. Je me sens très bien. Et toi? Bah, moi, ça va, hein. C'est la fête, moi, je suis content. Daniel, il mange pour se réveiller un coup. Là on a Jax à la gratte. Jax, un petit sourire à la caméra, souvenir. Bien sûr, je contrôle bien sûr. On a le Tamayo, le petit frère. Comment se passe la soirée? Tu kiffes ou tu kiffes? Je suis bien. T'es bien? Je suis soigné. Tant mieux alors. On a Matini. Ciao. Ça va Matini, la soirée comment se passe? Ciao. D'accord, alors on a le meilleur. Tu sens un dame. On a Pissamoy. Le refrain à l'ancienne. Il est là. E52. T'inquiète, E52, OP. Normal, ça fait plaisir de voir Pissamoy. Cette vidéo. Ce gars de la steak qui sont pas là, tu pourras leur dire, ils vont avoir la cassette. Dédicace à toi qui me regarde là. Ouais. Tu rigoles hein, parce que je suis défoncé. Hein. T'inquiète. Et là, puis ça mouille. Là, ils sont à table. Attends, bon, je reste. Alors, PLG, il est là. Elle joue un peu ça, David, parce que depuis. Non, mais il s'entraîne. Il s'entraîne. Tu es défoncé ou ça va, toi? Tu es défoncé ou ça va? Je sais pas jouer, moi. Ouais, bah, ah, ouais, mais après avoir bien mangé. Après avoir bien mangé, t'es mieux là. Allez, prends la guitare, t'arrêtes. Eddie, c'est moi qui filme, c'est la fête.
L'adolescent. Balzans, break it down. Balzans, quartier. Quartier fossé, hein. J'ai les yeux verts. Ça va pas, ça. Alors, on a Benji. Je vais trouver avant la fin de la soirée. On a Benji avec nous. Alors Ben, comment ça se passe? Ça se passe très bien. T'as bien mangé? Ouais, c'est marrant. C'est vrai, tu es très content de toi en fait. Hein? Tu es en fait. Hein. C'est digne une grande partout, je crois. C'est top alors. T'abuses, il y a la MIFA, elle est juste. Une sens anormale. De ouf. On peut dire ce qu'il y a, quoi. C'est la vibe, c'est... Je le ressens en moi, quoi. Non, c'est clair. C'est comme les hémorroïdes, des fois... Ça gratte, mais tu peux pas toucher, quoi. Alors, bon, vu que tu es confessionnal, personne ne t'entend. Personne ne m'entend. Alors, dis-moi qui tu nomines et avec qui tu as plus d'affinité, au fait. Alors, moi, je nomine... Philippe. Oui. Parce que... Et c'est un manque de respect vis-à-vis de la camaraderie qui règne au sein du groupe. J'ai réussi, gros. Il a, comment dire, une influence néfaste pour le groupe. C'est type, il boit, quoi. Il n'est que de la merde. Et celui avec lequel j'ai le plus d'affinité, je dirais Azine, parce que c'est le plus... De chien, tu dis que de la merde. Mais arrête. Tu vois. Ouais, ça se confirme, ça se confirme. Ouais, ça se confirme, mais je l'en Voilà, c'est très démonstratif, voilà. Mais ah, parce que j'en peux ce qu'il a dit, c'est que tout du voilà. J'en ai rien à foutre, moi. Dis la vérité. Écoute, si tu veux, je te casserai la gueule. De la merde, bah ouais, bah vas-y. Moi, je me lève, je te mets à côté, tu te casses ton nez, moi. Comme dans L'île de la Tentation. Et dans Koh-Lanta. Si je te veux, je te casserai la gueule. Ah, vas-y, tu veux que. Allez, bon, voilà. L'autre, c'est long, hein. Ah ouais, toi, t'es parti. Vas-y, tourne, toi. Vas-y. Il manque de respect, t'as vu comment tu te Ah ouais, Respect, respect, mon gars. Respect, c'est de gitan, là. Il est agressif, c'est ça que je disais tout à l'heure. Bien, bon. Pas là-bas, c'est mieux pour discuter. Ouais, bon, allons-y, allons là-bas. Je passe par Jean Dujardin, qui, lui, à cette heure-ci, est bien. Alors, je vais lui demander avec qui est-ce qu'il nomine pour, en fait, cette semaine. Alors, Daniel, qui est-ce que tu nomines? Et pour, dis-nous pourquoi tu nomines cette personne et avec qui tu as plus d'affinité. Vas-y. Je nomine Jean Rastin. Oui. C'est un gros pain, il y a bien une grosse pain avec. Mais Rasta, vous nominez Christian et Rasta, pourquoi les deux, eux qui sont si proches entre eux? Trop proches pour être naturel. Soupçonné, tu peux le dire, je suis avec toi, je te cautionne. Je peux pas les lire le premier jour, c'est comme ça. D'accord. Ok, et qui est-ce avec qui vous avez plus d'affinité au sein du Soul of Top? McFly. McFly. C'est qui McFly? C'est Azine. Bah, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, Azine, parce que c'est le plus docile. Docile, oui. Et le plus inoffensif. Et que pensez-vous de Retta? Retta. Vous l'aimez bien quand même? Ah ouais, moi je voudrais faire une autre confession, mais vraiment entre toi et Moretta. Oui. Tu veux aller là-bas. D'accord, on y va. Parce qu'en fait, on peut nominer deux personnes pour les éliminations. Oui. Philippe, pour son agressivité. Oui. Donc, tu peux venir plus près parce que je pense qu'on m'entend. C'est confessionnel. La deuxième personne, je nomine Rasta Kamzi. Pourquoi? Je le soupçonne d'avoir un penchant sexuel avec des enfants. Depuis le début de la soirée, nous étions tous regroupés et le seul qui manquait c'était Rasta et je l'ai surpris. Non, c'est vrai. Oui, je confirme. Tu confirmes? Oui, je confirme. Je ne suis pas un menteur, ce ne sont pas des allégations. Mais tu ne penses pas qu'il se cherche? Ah non! Il n'a pas d'affinité avec vous, il s'amuse entre autres avec les enfants, on va dire. Soit, mais les enfants, il y a quand même un décalage d'âge. Par exemple, tout à l'heure, quand vous voulez faire des photos de groupe, j'étais où Rasta? Je vois, il revient en tout temps dansant et tout. Il était parti jouer les enfants dans un coin. Donc, je suis en droit de me poser des questions sur ses penchants sexuels. Maintenant, je n'accuse pas d'avoir fait un péché, mais
j'ai mis une grosse, comment dire, une marge de doute. Voilà. D'accord.